Les transferts monétaires au profit des couches défavorisées du Grand Lomé au Togo ont démarré le 31 juillet 2023. 26 250 ménages vulnérables sont concernés par ces transferts monétaires. Ces ménages bénéficient d'un accompagnement spécifique pour le développement des activités génératrices de revenus afin de soutenir définitivement la pauvreté au-delà du projet. 191,6 milliards de francs congolais, soit près de 94,8 millions de dollars, ont été affectés par le gouvernement central aux 26 provinces de la République démocratique du Congo au titre des rétrocessions aux provinces à fin juin 2023. En Angola, le gouvernement a réglé des dettes estimées à plus de 300 milliards de kwanza en 2022. Ce montant a été payé grâce à l'élaboration de 370 accords de régulation signés entre le ministère des Finances et les entreprises créancières. Les transferts monétaires en faveur des familles défavorisées du Grand Lomé ont démarré le 31 juillet 2023. Avec l'appui de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement, ces transferts concernent 26 250 ménages vulnérables de 35 quartiers des communes d'Agoué, Niévé 1, 4 et 6, Golf 1, 4 et 6. Le Togo expérimente depuis quelques années des programmes de filets sociaux visant à réduire la pauvreté. Et vous savez, avec la crise, la Covid et la guerre russo-ukrainienne, il va de soi que les populations les plus vulnérables s'enfoncent encore plus dans la pauvreté. Et donc, ces programmes de transfert monétaire, expérimentés notamment en période de Covid, vont aider dans le très court terme les populations à échapper à la vulnérabilité ou bien à réduire la vulnérabilité. Selon la ministre chargée du développement à la base, Myriam Dossou Almeida, cette nouvelle phase met un accent particulier sur la résilience socio-économique de 15 000 ménages les plus pauvres. Ceux-ci bénéficient d'un accompagnement spécifique pour le développement des activités génératrices de revenus afin de sortir définitivement de la pauvreté au-delà du projet. Il est question, il est vrai que il faut réduire la vulnérabilité, mais il est aussi tout aussi vrai qu'il faut mettre plus l'accent sur ces projets structurants qui vont permettre à ces populations-là de s'autonomiser financièrement pour une meilleure réduction de la pauvreté au Togo. En œuvre depuis 2017, le programme Filets sociaux de base était jusque-là concentré sur les populations vulnérables de l'intérieur du Togo. Pour rappel, cette phase additionnelle du projet de filets sociaux de base est appuyée conjointement par l'État togolais, la Banque mondiale, la coopération française à travers l'Agence française de développement. Pour un investissement d'environ 18 milliards de francs CFA, dont 10 milliards de francs CFA de la Banque mondiale et 6,5 milliards de francs CFA de l'Agence française de développement et 1,5 milliard de francs CFA de l'État togolais. $191,6 milliards de francs congolais, soit près de 94,8 millions de dollars, ont été affectés par le gouvernement central aux 26 provinces de la République démocratique du Congo au titre des rétrocessions aux provinces à fin juin 2023. L'information ressort d'un rapport du mois de juin sur les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire. La loi des finances 2023 du gouvernement congolais renseigne qu'un montant total de 738,3 milliards de francs congolais, soit plus de 360 millions de dollars, devrait être alloué aux provinces et entités territoriales décentralisées pour assurer le bon fonctionnement de ces juridictions. $362,86 milliards de kwanza de dettes ont été réglés par le gouvernement angolais en 2022. Ce montant a été payé grâce à l'élaboration de 370 accords de régulation signés entre le ministère des Finances et les entreprises créancières,
dont 282 ont été approuvés en 2021 pour un montant de 330,21 milliards de kwanza. 80 000 accords ont été ratifiés en 2021 et partiellement payés au cours de l'année respective, mais le reste a été réglé en 2022 pour un montant de 31,65 milliards de kwanza. Selon le rapport sur les arriérés pour 2022, les dettes ont été principalement payées en espèces 60,45% et par titre 36,91%. Le Fonds monétaire arabe a accordé un prêt de 616 millions de dollars pour améliorer l'efficacité des secteurs financiers et bancaires de l'Égypte. L'information émane d'un communiqué de l'institution financière paru le 29 juillet 2023. Ce financement servira à renforcer l'infrastructure des systèmes de paiement, l'inclusion financière et les cadres réglementaires du secteur bancaire dans ce pays d'Afrique du Nord qui traverse l'une des pires crises économiques de son histoire. Les factures d'importation de produits alimentaires et de carburant ont significativement gonflé depuis le début de la guerre en Ukraine, alors que quelques 33 milliards de dollars d'investissements spéculatifs ont fui le pays.